just about to tell me something. Do you enjoy tales of the Wild West? Not so much anymore. I've been reading about knights. You know, of the Round Table. The king. What's his name? John Mars. What's happening here? Can we please go? I'd like to get somewhere today. We still got a ways to go, don't we? Allez, on va démarrer parce que la dame elle est en train de se fâcher. Bon, salut Slugger. Bon, je termine. Alors, j'ai joué pendant près de 4 heures hier non-stop sur Red Dead. Je crois. Ouais, c'est déjà l'heure du live. Ouais, j'ai envie de faire ma pause maintenant. Et en fait, je suis surtout chaud patate parce qu'en fait, je pense avoir terminé le jeu. Je suis pas sûr. Arthur est mort, le personnage principal. Donc, qu'on incarne depuis le début. J'ai eu ma petite larme hier, il est mort. Il a succombé à quelques blessures, plus une maladie grave qui est la tuberculose. Et en fait, voilà, j'ai passé ma nuit à aller sur Google à regarder un petit peu s'il y avait moyen dans le scénario de sauver le personnage. Et il n'y a pas moyen. Rockstar a vraiment fait en sorte que le personnage, il a une maladie grave, on est dans la réalité. Et il est dead. Oula, je vais peut-être pas rester. Pourquoi je te spoil un peu l'histoire. Alors du coup, maintenant, on incarne John. Donc un mec qui l'a toujours défendu, hein, Arthur, tout le long du scénario. Et John, en fait, s'est fait la malle avec sa femme et son fils, qui a bien grandi d'ailleurs. Je pense faire le jeu à l'occasion. Bon, de toute façon, le jeu, l'histoire, elle est déjà un peu spoilée un peu de partout. Hein. Et donc, j'incarne John, et là, l'histoire se passe quelques années plus tard. Donc, on reprend la main avec John. Et à mon avis, vu que ça va être la transition du 2 vers le 1, puisque dans le 1, on incarne John Marston. Et du coup, il y a de grandes chances pour que là, ce soit la fin. Quoi. Genre, on va aller s'installer avec John. Je sais pas s'il y a encore du scénario derrière. Je n'en sais rien. Ça se trouve, d'ici une heure, ça se trouve, on aura le générique de fin. J'en sais rien et ne me spoilez pas si vous avez déjà terminé le jeu, je veux pas savoir. Ça va, ouais, oui, le breton. Un beau temps breton hein, aujourd'hui. Hein. Salut SpaceX. Alors, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? De voir quel genre de travail honnête. Ok, donc maintenant c'est fini de faire le grand bandit. On revient un peu à l'honnêteté. Sors quand même que je me suis fait chier pendant toute la durée du jeu à essayer d'être un gars bien. Et à chaque fois le scénario me rattrapait à aller me faire des cambriolages, à tuer des gens, tout ça. J'ai toujours essayé d'être bien et au final voilà, mon personnage est mort comme un misérable. I can help you. I saw the help wanted sign outside. Sure, but you're a bit old to be stacking groceries and running errands. En Normandie, il fait beau. Ah, intempérie en Belgique. Ah, Kevin m'a pas dit ça ce matin. Time's hard, Mr. Je sais pas si vous m'entendez bien, du coup, je suis avec j'ai enlevé le micro casque. Ça me saoulait un peu, j'ai repris le micro le micro boule. Alors, qu'est-ce qu'il dit là, le monsieur, il veut trouver du boulot? Ouais, OK. Ah, ça fait bizarre de plus avoir le personnage. Je sais pas si les aptitudes sont conservées ou pas. Je ne pense pas. On verra bien. SpaceX is ready for launch. Oui, 17h. À partir de 17h, on sera devant. On verra bien. On a jusqu'à 1h du mat pour faire un petit décollage de fusée. Ce serait bien. You know, I should go tell my wife, and then
I can come back and get loaded. No, my boys can load you up while you go find your wife. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, y a plus de personnes à tuer. Ça, c'est bien quand même. Retrouver Abigail chez le docteur. Bon, c'est juste à côté. On va aller la voir. Ah, ça me fait de la peine pour mon personnage principal quand même. Ça me fait trop chier quoi. Thank you, doctor. Hey, how you getting on? I found some work. Me too. Delivering goods out to some ranch. Cleaning a doctor's surgery. Fine living. It is, John. Oh, it is. This is the way to it. I'll take your word on that. Le mec, il passe à une vie de grand bandit à une vie de livreur. Et sa femme passe la serpie quoi. Ça va leur changer un peu la vie. Mais bon. Pendant tout le jeu, j'ai essayé d'être un gars bien et enfin on va être bien, on va passer de la serpillière. Super. Allez, allons faire une livraison. Je sais pas pourquoi. Je me dis que d'aller faire la livraison, on va bien se faire canarder, il va bien falloir sortir le gun. C'est pas possible, c'est pas un jeu calme Red Dead, c'est pas possible. Il n'arrive pas à rester calme 5 minutes ce jeu. Ça part toujours en sucette. C'est bon, c'est chargé. On peut y aller. Bah, on va voir. West past Owen Gila, then follow the road north. Okay. Non, la Belgique, c'est pas grand, Flugger. C'est au moins aussi grand que la map de Red Dead Redemption 2. Ça se traverse en une heure. J'ai pas remis le nez dedans sur le DLC Grimm, sincèrement. J'ai recommencé une partie, bah, vous l'avez peut-être vu hier dans le live YouTube. Et en fait, dans ma partie... Je compte utiliser le DLC Grimm, faire un peu de pommes de terre, mais pour l'instant, je m'en suis pas servi. Ça va venir. Mais sinon, j'en pense que du bien. Ça m'a donné envie de refaire de la patate. C'est trop calme. C'est trop calme. Alors soit ça schlingue la fin du jeu, je vous dis, et dans 2 minutes on a le générique de fin. Soit ça repart en sucette, et vas-y on repart pour 50 heures de jeu avec le personnage. J'en sais rien. Dans tous les cas, j'ai laissé plein de missions annexes de côté volontairement, en me disant je vais terminer le scénario principal, et je vais revenir faire quelques quêtes annexes sur la fin. Manque de bol, mon personnage il est mort. Donc... Je suis avec un nouveau personnage et je pense qu'il va falloir qu'à la fin du jeu, en gros, on aura la main sur ce personnage-là pour aller faire les quêtes annexes. J'espère parce que j'ai pas envie de m'arrêter de jouer. Et j'ai pas envie de m'arrêter de jouer sur ce jeu. Quoi. C'est pas... J'ai encore envie de me faire au moins une cinquantaine d'heures minimum dessus. Avec Damien, on a vu que le bâtiment des types code était chiant. J'ai pas creusé les types cols. Pour l'instant, je m'en suis servi uniquement pour mettre les palox. On n'est pas emmerdé quoi avec les objets comme ça. Salut Equinox, je t'avais pas vu. J'ai vu ton petit coucou ce matin sur le Discord. Ah, ce matin, vous êtes lâché hein, dans le chat général. C'était à celui qui allait sortir le plus beau gif. J'en suis à combien d'heures sur Red Dead là sur cette partie, bah je dois être à 70 heures, quelque chose comme ça. Au moins. Bon, on va le cravacher un peu le pépère parce que demain on y est encore. Tu en es qu'à 55%. Non, 60 quelque chose, j'ai vu hier. 60 sur le scénario. Alors après, est-ce que les 60%
tiennent compte uniquement du scénario principal ou également des quêtes annexes. S'il y a les quêtes annexes dedans, il se peut que le jeu soit bouclé quand je vais arriver à moins de 70%. Sinon, sincèrement, si là j'en suis à 60% avec sur la trame principale, mais là je suis aux anges. Je suis aux anges. Ça veut dire que je vais pouvoir jouer un petit peu avec John pendant encore au moins une bonne trentaine d'heures. Donc ça c'est cool. Le jeu vaut le coup, mais grave. Je crois que c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Acheter ce jeu-là sur Instant Gaming à pas trop cher. Et du coup, il y a quand même pas mal d'heures de jeu derrière. Ouais, c'est mieux que les Assassin's Creed, ça, c'est sûr. Enfin, Assassin's Creed Odyssey pour le coup, puisque je suis toujours sur ce jeu. Enfin, j'y ai pas touché depuis un petit bout de temps maintenant. Mais il va falloir que je termine quand même pour pouvoir aller sur le Valhalla tranquillement. Le Valhalla, je l'attaque dès que celui-là est terminé. Je vais faire deux jeux en parallèle, je pense que je vais vous streamer les deux. Je vais faire Assassin's Creed Valhalla et puis bah, Cyberpunk. Tu as pas fait la quête annexe? Ah si, j'en ai fait un sacré paquet de quêtes annexes. Le modding, ça donne quoi? Rien de spécial pour l'instant. Ça avance. Livrer les marchandises. Pas de soucis. Qui c'est qu'il faut que je bute? J'ai entendu qu'il était mal optimisé, mais lequel? Cyberpunk? Moi, Cyberpunk, il tourne en ultra sans problème ici. Il est installé là et ça marche. Jim Milton. I'm delivering some supplies from the store. Ah, le mec, il a un faux nom, Jim Milton. Non, tu t'appelles John en fait, mec. It's beautiful. They send everything? Yeah, I think so. So, partner, your boss, he looking for hands? Why? Bon, après Cyberpunk, je suis pas pressé d'y jouer. Hein. Je préfère attendre qu'il y ait des bonnes mises à jour, que le truc, tous leurs problèmes soient réglés. Et j'irai dessus après quoi. Je suis pas pressé, il y a de quoi faire. Faudrait que je passe mes journées entières à jouer si je voulais vraiment terminer mes jeux quoi. Parce que, oh. Oula. Oh, ça cherche la merde. Ah, j'en étais sûr. Delicious. Oh. When's boss man gonna sell this place, boy? I don't think there's any plans for that. You boys want a drink? It's some fine Scotch whiskey. Put that down. Put that down. These supplies for the season. Get off the farm. Come on. We know when we're not wanted. Get down from there. Mais bute-le. Come back here. You can use that horse. Vous pouvez prendre ce cheval. Allez, c'est parti, un petit gunfight. Ah, c'est pas que ça m'avait manqué, mais... Est-ce que j'ai un flingue, au moins? J'ai pas de flingue. Je vais les tuer comment, les bonhommes, là? Bon, bah... Coup de poing dans la gueule, hein. Je vois que ça, hein. Aïe. Allez, dégage. Oh, c'était vite fait, hein. Même pas un petit flingue, rien. Thank you. Milton, isn't it? Those boys are out of Laramie, work for Mr. Abel. Thank you. Don't mention it. Listen, I ain't looking for no charity or nothing, but I was serious. You got work? We'll work. I can do anything. We got robbed ourselves a few days back. We ain't got married hands here. You're married. Work harder than any one of them. I'm real honest, and my wife, even though she's got fancy thoughts, she'll work. Seem kind of desperate.
What trouble you in? No trouble, sir. Aside from her brother, he tricked us and robbed her of her inheritance. We're good people. We'll work. Even Lancelot. What does Mr. Geddes need with a boy? Just another mouth to feed. Just please give us a chance. I can handle myself okay. You know that already. Yeah. Makes me wonder just who would have robbed you. But we'll give you a chance. I'll let Mr. Geddes know when him and his wife return tomorrow. Thank you, Mr. Dickens. I'll go get my wife. No, you stay here. It's getting late. We'll go get her in Strawberry. We'll bring her here tomorrow. We need you around in case any more of them Laramie boys turns up. Ok, donc je suis encore là pour faire le vigile, quoi. File-moi un flingue et puis c'est bon, quoi. Assez rodé, là. Cyberpunk a été déjà bien stabilisé depuis sa sortie. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Visiblement, les derniers patchs corrigent quand même un gros paquet de problèmes. Oh, ça dit quoi, là? Ça charge? Non... Épilogue partie 1. Oh. Ça sent la fin. Il y a une bombe. Bon, alors. Donc, le perso. On va quand même regarder à quoi ça ressemble. Ah bah ouais, il n'y a plus Arthur. Sniff. Oh putain, je suis triste. Il fait chier à le faire tout bien et là. Bah non. Plus rien. On repart de zéro avec un nouveau personnage. Poum, poum, poum. Bah non, que dalle. Bon bah. Y'a plus qu'un. Et les flingues, tout ça. Ah, j'ai gardé quand même... Ah bah oui, puisqu'à la fin, il donne la sacoche à ce mec-là, donc normalement, je garde tout, canne à pêche, la bouffe qu'il y avait dedans, les outils, les jumelles, l'appareil photo... Ok. Il lui a même donné sa... Ah non, c'est quoi? L'appât, canne à pêche, dessus. Tabac à chiquer. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, on garde toujours... Alors, est-ce que j'ai mes quêtes secondaires? Est-ce qu'elles sont restées? Oui! Les quêtes secondaires sont là. Alors, la quête secondaire que j'avais laissée, elle est là. Donc, c'est cool. On est toujours sur la même map. En fait, du coup, j'ai l'impression qu'on va débloquer toute la partie gauche de la map. Que l'action se centrait quand même vraiment ici. Et là, bah, dès le départ, en fait, il m'a fait débloquer cette partie-là. Je sais pas jusqu'où ça va. Bon, visiblement, ça va pas beaucoup plus loin. Ah, il y a encore... Il y a quand même encore une grosse partie en bas qui a pas été dévoilée. Ouais, ça pue encore la trentaine d'heures de jeu. Bon, bah, hé. On va faire, hein. Salut, Blue Jean. On va faire. Il y a pas le choix, de toute façon. Attends, on va prendre le cheval, quand même. Et le cheval. Attends, j'ai pas vu. Tu ressens, donc j'ai toujours le cheval. Mais non. Attends, là, il y a un problème, par contre. Il y a un problème. Ah non. Alors, j'ai toujours le même cheval, donc un pur sang. Par contre, il est plus nommé, donc je l'avais appelé, je sais plus comment, Jojo ou Mimi, je sais plus, bref. Et il meurt en fait à la fin du scénario principal avec Arthur. Le cheval, il se prend une balle. Et donc là, c'est toujours un pur sang. Donc ça, c'est cool. Ils m'ont gardé mon cheval. Mais il n'est pas nommé pareil. Donc il a pas de nom. Donc c'est pas le même. Il n'y a pas de... Ils nous ont pas truandé au niveau du scénario. Attends, on va repasser par là. Hop. Tu as quoi comme chevaux chez toi? Appaloosa. Chez moi. Bah en fait, putain. Hop! En fait, j'avais juste à aller là, quoi. Non. Milton, get over here. Mr. Geddes, this is the new ranch hand I told you about. Well, I heard you had some trouble with your welcome, but you kept your nerve and protected my property. Nah, it was nothing, sir.
I'm David Geddes. Pleased to meet you. John, Jim, Milton. Thank you for the opportunity, sir. Ah, il s'est trahi, ce con. Work hard. You be honest, you'll get your keep. I promise you that. Boy has a family. Oh, lucky man. Then you better work extra hard. Good day, gentlemen. Sir. You hear that, John, Jim? Extra hard. Hey, get over here. Mr. Dickens? Go find old Jim Milton here something to do. Make sure he works extra hard. Sure, Mr. Dickens. Est-ce qu'il va me donner comme taf encore à faire le larbin de service? I was on my chores anyhow. Say. Le décor est quand même... C'est pas la map, la map suisse-allemande de Giant Software. Là, on rigole pas quand même. Hey, is it true what they said about you when you arrived? That you ran off those hired guns? Look, can we not discuss this in front of my wife? Oh, no, sure. Yeah, of course, mister. I don't want to worry her. Ah, j'adore les... Mon rêve, ce serait d'en avoir un très breton. Un jour peut-être. Mais j'ai pas les parcelles qu'il faut pour accueillir un gros bébé comme ça. Ah, on a du cheval de trait hein, dans Red Dead. Hein. Mais c'est un peu lent. Endurant, mais lent. Real wise, Jim. What was I supposed to do? The place was getting robbed. So you show everyone who's boss? Real fine. I didn't have much of a choice. I gotta go. Jack, when you're done in here, come on out and lend a hand. Bon, il se fait engueuler par sa bonne femme. I was going to milk the cows. Come on, I'll do it. You are gonna milk the cows? Ouais, louer 8 hectares, tu m'étonnes. On va commencer à faire un peu. Alors, le mec, il dit qu'il était parti à faire la traite des vaches. Eh, ce serait rigolo quand même qu'on fasse de la traite dans un jeu qui n'a absolument rien à voir avec, avec farming. Déjà qu'il est, bien meilleur dans la gestion des chevaux, il est bien meilleur dans les vaches. Regardez les vaches, je suis sûr que le comportement des vaches est... Eh, Giant Software, prenez-en de la graine. Regarde ça. Là, je peux pas aller dedans dans l'enclos. Up north, mostly. Been these parts before, but that was years ago. Oh, it's changed. The rich fellas are coming in and buying everything, the ranches. But, well, it ain't as wild as it once were, at least. There is that. Voilà, là, les animaux, ils se déplacent vraiment pas sur un bête spline, quoi. Good lord, no. Nothing like that. A presque envie de la caresser. Bon, par contre, il y a des cornes un petit peu affûtées quand même. Regarde là, la mère. Oh putain, elles sont belles les animations. Une vache qui se couche. Ça se couche vraiment comme ça. C'est vraiment super bien fait. Je vais rester là, regarder les vaches. Tu veux, je peux te les écorner gratos avec ma, avec mon fusil à pompe. J'ai tout ce qu'il faut. J'avais une machette aussi. Ouh, hop là, tac. C'est clair que Rockstar n'a nettement plus les moyens. Mais bon, moyen ou pas. Enfin, quand tu vois qu'il y a des millions qui sont dépensés dans la FSL, il ferait mieux de payer des millions pour un mec qui va faire de l'animation de vache, quoi. Giants a des moyens, les gars. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Financiers, ils les ont. Most of them drifted off. Okay. You fine with milking? Oh oui. La traite, je la fais avec les dents, moi, si tu veux. Vas-y. Ah non, il a jamais. You serious, mister? Sure. It's Jim. Jim Milton. Hey, sit down. I'll show you how. Approach your comb. Je suis sûr que je vais faire la traite avec L et R. Je le sens bien, ça. Allez, prêt. Eh ben, ah non, alors attends. Eh ben non, gauche, droite, c'est avec les sticks. Facile. Putain, il remplit vite le seau, hein, le mec, hein.
C'est de la carchère vache, quoi. Tlac ! Vas-y, roule. Franchement, même les mamelles, elles sont super bien faites, quoi. C'est ouf. Tu vois toute l'irrigation de la mamelle, tout ça, c'est... C'est beau. Watch and learn, partner. We all gotta earn our keep. Come on. How about you and the boy help me clean out the stables? Sure. Come on, son. Bah voilà, du coup, je suis à moitié dans Farming. Farming à l'ancienne. 12, sir. Ain't that grand? It's such a fine name. I like it. I got imaginative parents, sir. I can tell. Now, it ain't pleasant work, but it's got to be done. Mr. Dickens said... I know what he said. We'll do it. Won't we, boy? Mm-hmm. Okay. Well, you get... Maintenant, on va nettoyer la fourche. C'est beau, ça. Les mecs, ils t'ont fait un micro farming simulator à l'ancienne dans le gameplay. Excellent. Bon, il n'y avait pas encore les tracteurs, hein, mais... elle est où, la fourche? La fourche pour ramasser la papaye. Hop. Boy, bring that wheelbarrow over here and keep it close to me. Yes, sir. Qu'est-ce que tu veux prendre sur Stadia? Red Dead? Prends-le sur Instant Gaming. Enfin, sauf si t'as pas la config qui va bien, mais... Allez, allons ramasser un peu de merde avec les mouches qui vont bien. Putain, mais tout dans le détail, quoi. T'as même des petites mouches et tout. You're a long way from Angelo Bronte's mansion now. Sorry, sir. Nothing. Oh, arrête de faire la fine bouche. Terror of the turds. La terreur des étrons. Oh, il est bon. Mais si t'as une bonne config, pourquoi tu vas le prendre sur Twitch? Sur Google Stadia. À part si t'as envie d'y jouer un peu de partout. Ah, j'ai pas machin du tout. Ah, d'accord, bon. Bah, dans ce cas... Autre solution, tu te le trouves d'occasion et tu te prends une Xbox ou une PS4 d'occasion. Ça ne doit plus coûter grand-chose avec l'arrivée des nouvelles machines. Une petite Xbox One d'occasion avec le jeu. Je pense que même ta mère dirait que nous sommes presque ici. Tu finis les choses, je vais aller checker sur elle. Bon, la terreur des étrons a terminé. On va aller voir si Bobonne a fait le ménage. Le mec qui rentre avec ses grolles pleines de merde. Chérie, c'est moi. T'as passé la serpille? Ah, hey. Désolé. Where's Jack? Jack, t'es plein de la merde pour te faire une vie meilleure. Ah, les dialogues là-dedans. Hey Kevin, rebonjour plutôt. Do a little better and survive for once. I'm tired of fleeing, John. So, well, you know. Me too. Je crois que je vais passer les cinématiques comme ça parce que. Le bisou. C'est tout. Et ça se termine comme ça. Non? Fin du jeu. Je dis les gars, je sais pas comment il se termine. Je sais pas comment se termine le jeu. Ça se trouve, c'est la fin. Non, j'y crois pas. Sachant que là, on est censé faire la continuité du 2 vers le 1, puisque Red Dead 1... D'ailleurs, j'ai lu ce matin à propos de Red Dead 1 qu'il y a un remake qui était... J'avais déjà lu qu'il y avait un remake qui allait être fait,
Et je viens de lire ce matin qu'il serait prévu pour cette année, pour 2021. Ce serait énorme. Comme ça, j'aurai encore le scénario frais dans la tête. Et tac, on arrive. Attends, où est-ce que. Et on arrive direct sur le prochain épisode. Est-ce qu'on va voir Tom ou est-ce qu'on va voir David? On va aller voir David, non? Non, Tom. Allez, vas-y. On va aller voir le patron. Patron d'abord. C'est honteux de passer les cinématiques. Ah, je les ai pas passées là. Ils sont toutes. Là, j'essaye d'écouter un petit peu, de lire le scénario parce que ça m'intéresse quand même. Hey, Milton, can you give me a hand with this fence? Ah, mais c'est vraiment le travail à la ferme quoi, qu'on nous demande de faire. On n'est plus du tout dans Red Dead à aller flinguer, braquer, tout ça, non. On joue à Farming édition 1910. Pas mal. Oh, lui, il veut tout savoir. J'étais truand, je braquais des banques. But I guess I don't believe a word of it. I was raised to take a man at his word, and also to believe this is a free country. So free that I can't tell you what to think. So I guess it don't much matter what you believe. But I will work hard, and I learn fast. Okay. Give me a hand with this fence. Nightwolf, bienvenue. Ah, l'autre trois coups de marteau, il a planté le piquet. Tu te fous de moi, toi? Vas-y. Putain, la terre, elle est molle. Good. Now grab a rail, line it up with a notch, and place it in. Positionner. Ah putain, c'est les mêmes commandes que le télescope dans Farming. Allez, vas-y. Et 1 et 2. Et 1 et 2. Allez, on fait des squats. Hop. Bon. Bon, on peut y aller ou pas? Hop. Now, lift up the other side. They got a line up, see? Now the next rail. Maintenant, passer au suivant. Putain, mais le mec, c'est un vrai tuto, quoi. On dirait un YouTuber. That's it. Tiens, et si je le mets là? Non? Non? Tu veux pas? C'était plutôt fin 1890. Ouais, non, 1910, t'as raison, c'est Red Dead 1. Mais c'est début 1900, je crois, celui-là, non? Parce que là, Kevin, peut-être qu'au début, c'est 1890 pour le début de Red Dead, mais là, Arthur est mort. Et le scénario a repris et est marqué quelques années plus tard. Donc on est peut-être dans les 1900 cette fois. Voilà. Je veux pas dire, hein, mais ta clôture, là... Rassure-moi, je vais pas passer tout le scénar à... On se croirait dans Farmer's Dynasty, là, un peu, quand même. Okay. Construire la barrière. Allez. Salut Yayot. Yayaot, je sais pas comment. 7400. Et qu'il est rapide, hein. Hop là. Et la clôture est faite. Et tu sais, maintenant on met des piquets avec un fil électrique, ça va plus vite. C'est moins chier quand même. Attends, je fais du sport. Bon, ok, allez, c'est pas drôle. Allez voir ce qui se passe dans le corral. C'est un taureau? Ouh là là! Bah t'as du bol qui te charge pas le machin. Hein. Oh, oh, bah ouais, bah oui.
Bande de cons. Ma clôture, putain! Ouah! Ah, bah... rien de cassé. Non, non, on se serait cru dans la Terreville, là, avec la vachette. Attends, attends, je vais réessayer. Vas-y! Non, loupé. Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Oui, vas-y. Maintenant, il me faut quoi? Mais pourquoi il l'a lâché, ce con? Reste là! Non, non, ah non, les vaches, elles vont se barrer. Il est con. Mais attends, je l'avais, là. Mais, putain, mais... Oh, Red Bull, reviens. Je vais te donner des ailes. Tu m'étonnes, c'est un beau bébé. Je sais pas combien de tonnes il fait, celui-là, mais... Bon, hé. Oh! Voilà. Mais non, mais arrête. Mais pourquoi il le lâche, ce con? Pour rester appuyé? Voilà. En vrai, tu ferais pas le malin avec un taureau comme ça. L'homme qui parlait aux oreilles des chevaux. Reste cool, bébé. On va te donner une vachette, tu vas. Tu vas te faire plaisir. Tout doux, tout doux. Nice and easy now, boy. All better? Okay. Now come on, you hunk of chuck. Usine Aztèque. C'est trop ça. Got him, Mr. Dickens. Oh, good. How you doing, son? Mec, il a fait de l'éthologie sur les taureaux, quoi. Thank you, Mr. Milton. My pleasure. And you, mister? Fine. He just got my head. Good. Non mais en vrai, il défonce le bâtiment quand il veut, le machin. Bon, c'était pas mal quand même, c'était une bonne expérience. Attraper le taureau au lasso. Oh putain, non, j'ai déjà le mien qui arrête pas de brailler. Jusqu'au 2019, Kevin. Tu peux pas aller plus que 2019 sur 3DS si tu veux l'i3D exporteur. So stay out of trouble. Where are you working? I told you. Cleaning at the doctor's office. Bye. Bye. Give the place a tidy. Et tu veux l'attraper avec tes petits bras musclés. C'est clair que le mec, il a beau être costaud, le taureau, non. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oh, j'ai gagné 3$, 17$. Putain, mon mec d'avant, il est mort avec 1400$. Bordel de merde, ils sont où les thunes? Il a quand même filé la pochette. La pochette magique. Bordel. Oh, allez, je suis un gros feignant. Pour aller au bout de la... Ah! Au bout du ranch. Toc. Je vais à cheval. Alors, où c'est qu'il est, monsieur? Well, what good is that to me? We got 3 horses lost, possibly more, a mare about to foal, sir, and no hands to help with any of it. I'm supposed to be heading into town. This place is chaos. Hey, Pa! Can I get some help? Pa! Milton, you good with horses? I'm okay. Oui. Pas de problème. I'll do whatever needs doing, sir. Ouais, les attraper. You help my boy, my youngest Duncan. He will insist on riding Jeremiah, a horse pas de problème, Kevin. Strong for him. And my wife will need help with this mare. Abe, sir, you and Dickens. Putain, on va se faire une mise bas de jument, les mecs. No, sir. Thank you. Both of you. Bah, on va pouvoir aussi dire à Giants pour vu qu'il y a plein de personnes qui demandent à faire du village, bah, on va dire, bah, vous prenez exemple un petit peu sur la mise bas sur Red Dead.
Ça se passe comme ça. Alors, les chevaux échappés sont notre seul souci. Ok, donc en gros, tu vas te démerder avec ta jument et moi, je vais me taper les chevaux à aller chercher, quoi. Maybe them Laramie boys weren't so tough after all, hein? Maybe I could have handled them. Of course you could. They're just loud mouths. So, is that what the boss is doing in town? Some business ouais, with them boys? J'ai tout rendu. J'ai tout rendu mardi matin. Well, it ain't exactly tout est fait. Le job est fait. Oh. Okay then. All right. He'll be just at the end there. Well, I better get to. Thanks, kid. Bon, faut que je fasse quoi, moi? J'aille chercher les chevaux ou... Celle-là, elle est pas près de mettre bas, visiblement. Mais arrête de lui tirer dessus, crétin, c'est pas comme ça. Jim Milton. Hey. Need a hand with that horse? No. Whoa. You sure about that? Okay, yes. Yes, I do. Pretty big one. Regarde, moi je murmure à l'oreille des chevaux. Après, je leur fous un coup de talon. Relax. Come on. Easy, boy. Oh, someone put some onions on their oats, didn't they, boy? Calm down. He likes you. Ain't sure he likes any of us, but I'll make him respect me and behave. Can't you teach me how to make him behave same way as he does for you? I'm supposed to go help your mother. She's got a horse in foal. That'll take hours. Well, training a horse can take hours. Just give me a quick lesson, sir. Please. Okay. I'm gonna take him out first. Burn some of this heat off of him. Et tu retrouves quoi en plus gros? Il n'y a pas de demande plus grosse que d'autres. Il y a des demandes, j'ai tout répertorié. Fatigué Jérémia, bah vas-y, on va faire un petit tour. Ah, c'est un monsieur. Tiens, on va faire un peu de saut d'obstacle. Hop là! Oh merde, le poulailler! Ah! Oh, putain, je défonce tout! Et les vaches! Et alors, les vaches, elles ont peur ou pas? Oh putain, oui, elles ont peur! Voilà, ça, c'est ce qu'on veut voir dans Farming, ça! Merde, elles se barrent! Non, allez, rentrez! Oh merde, là, par contre, je déconne. Allez, allez, on rentre! Allez! C'est ça qu'on veut voir dans Farming, putain! Une gestion des vaches comme ça, pas des vaches qui suivent un bed spline. Des vaches intelligentes. Allez la cocotte, tu rentres! Putain, ouais, bon, ils vont se démerder. Hein. Allez, pousse-toi! Il commence à plus avoir de jus, là, le cheval. Commence à se calmer un peu là. Allez, rentre, hop. Allez, la meumeu. Tu fais du Red Dead RP, c'est un peu ça, ouais. Non, pas d'infos sur le prochain Farming. Okay. That was fun, wasn't it? You can behave now, can't you? C'est bon, vous êtes rentré? Allez, tu rentres. Allez. Mais... Bourrique. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour venir fermer l'enclos et réparer un peu tout ça là? Bon, ouais, écoute, hein, on s'en fout. On va aller ramener ça au gamin. Il va pouvoir monter dessus. Je pense que je l'ai bien fatigué, le truc, là. Bon, au moins 5 minutes. Merde, qu'est-ce que je fais? Ouah, c'était pas là.
Elle est là, l'entrée, mon coco. Allez, hop. Il est où, le gamin? Il est là. Tiens, tu vas pouvoir faire joujou avec. Et à toi. He's ready for you. Okay. Get on up there. Go nice and slow. Stay calm. Par contre, il manque un bout de clôture, hein, gars, donc te barre pas quand même. My heart's beating a little. Ah, il me suit, ok. Alors les jambes, mais pas trop fort, hein, parce que ton canasson, il va se barrer quand même. Doing fine. Real nice. Ah, j'ai trouvé mon nouveau job. Moniteur. Je suis sur PS4. Non, PC. I had a pony. But I'm too grown for him now. Yeah? You think avant de faire des vaches intelligentes, faire des ouvriers moins cons. Sure. Ça va te perdre, je pense. Il faudrait les deux. All right. Thank you, son. Can I avoir de la vie, quoi, dans le jeu. They say Mr. Abel's real rich. Way richer than Pa. And he's got all these hired guns. Out of Laramie, and if Pa doesn't sell, well... C'est le fils du patron, ça? Easy there. You don't have to worry about all that. You just worry about... Faut le brosser dans le sens du poil, alors, si c'est le fils du patron. Je vais manger. Bah, vas-y, bon app, hein. C'est l'heure. Je vais y aller après, moi. Je termine ça, là. Je suis dedans. Je vais rester une petite heure, je pense, encore. Oh, I'm not sure about that. You're good. Nice and easy now. Both of you. Voilà, il est chaud, il trotte. You, Mr. Milton? Oui. I thought you were gonna help me. Ah oui, c'est vrai. I was. Une jument à vélé. C'est parti, on y va. T'as besoin d'un homme. Tu veux voir mes burnes ou quoi? Tu vois, si je suis pas un mec. I'm sorry, Ma. Well, I hope you'll listen to me better than... Ah merde, c'est la femme du patron. On va peut-être pas lui montrer le kiki, là. Bon. Il va falloir tirer sur le petit, c'est ça? You know much about birthing a foal, Milton? On tire dessus. Une corde et hop. C'est parti. Va chercher le pied de biche. It's not too hard. You just stick a hand in there and get a feeling for where the legs are. Go on. Whatever you say, ma'am. Ah, vas-y. Trouvez des jambes. Okay, now hold on. And pull. Et on tire. J'ai glissé, chef. Hop, tu démoules. C'est comme un flambi. Tac. Okay, well, I think she's... Well, we're not out of the woods, but I think she may be okay. Great. Bah, j'espère pour toi qu'elle va survivre, quoi. Putain. Une mise bas, quoi. I hope so. Thank you. Oh, and Mr. Milton, feel free to make a call at the house sometime. Oula. Perhaps even now. A drink to toast our new arrival. C'est quoi ces propositions, madame? My wife is expecting me back. Oh. You're married? Ah, elle vous laisse le taper. Oh. We have a boy. Maybe you've seen him around. Ah, la vache, la cougar, quoi. I'm busy. Too busy for social calls. Of course. Good day. La salope. Quand même. Je veux bien lui rendre visite quand même, hein, juste pour voir ce qui se passe. Ils avaient tout prévu dans le scénario. Ah non, faut que j'aille voir ma femme. Eh merde. Bon, on va aller voir la femme, alors. Ah, la vieille, la femme du patron, elle se tape tous les ouvriers. C'est du propre, quoi. Cocu, putain, le mari, il a des cornes plus grosses que celles du taureau, quoi. Jim. Sorry. So... This is what you wanted. Fake names, which, by the way,
Dickens sees clean through. John. Us on the run. John, this is our chance to make something new. Come on. Please. For me. For him. Ah, te plains pas, t'as une belle baraque, tout ça. C'est cool. Been kind of withdrawn. Quiet. You know. Sure. Take him out, please. Le merde du désespoir. Bah, je suis désespéré pour ce, pour cette pauvre femme, quoi. Allez, on va aller parler au fiston. Fiston, tu sais, si tu veux, il y a la femme du patron à aller voir. Oh, t'es un peu trop jeune. Round to the left. What do you see? The pony? Get on him. We're taking a ride. Duncan, Mr. Getty's boy lent it to you. Let's go. How you doing? Fine. Can we go home? No. You're. Ouais, il est jamais monté à cheval. Stay calm. Where would you like to go riding, aside from home? I don't know. But maybe that's true. Allez, au ruisseau, ça sent la partie de pêche, tout ça. Pourquoi tu fais pas du GTA? Eh ben, je vais te dire sincèrement, je n'ai pas GTA, tout simplement. Mais va falloir. Hein. Mais c'est pareil, GTA, il n'y a pas une, un remake qui est prévu, il me semble. Il me semble qu'il y a un remake de prévu pour la PS5, donc il y aura peut-être un portage sur PC. C'est des jeux, je préfère autant jouer à un beau remake que jouer à la version actuelle, même si le jeu est magnifique. Now let's go. Jack, a little kick and a... Puis GTA, c'est encore combien d'heures de jeu à passer? 200? Enfin, c'est un jeu, tu le termines jamais, quoi. La femme du patron, ça va être... Ça va être pire que la mère de Stifleux, quoi. You know, this ain't so bad, sir. Good. Amazing what the right horse and a little confidence can do. Allez, on remet un coup de talon. Allez, tac. C'est comme ça qu'on apprend. Faut pas lui claquer, mettre un petit coup là sur le cul du cheval. Voilà. En plus, il botte pas rien. Hop, magnifique. How do I look? Better than before. De quoi j'ai l'air? D'un gamin sur un poney. Oula. Bon, c'est pas que je me fais chier, mais si les développeurs, ils auraient peut-être dû mettre le générique de fin maintenant, quoi, parce que là, ça manque un peu d'action, quand même. Ah, mais la femme du patron, je m'en rappellerai. Je crois que je vais faire deux clips sur ce... sur ce stream. Un avec les vaches au début, là. Et puis, ben un autre avec la femme du patron. Bon, elle était un peu vieille, hein, pour John. D'où ton ruisseau? Allez, d'accord. C'est parti. On va faire une petite baignade. Here we are. Yep. Wish you get back. You think you're ready for a little race? I guess. All right. Là, il est chaud, ça fait 5 minutes qu'il fait du cheval, le mec il veut déjà faire une course. Okay. On my go. Moi j'aurais pas eu autant de couilles que lui quand même. Hein. Laisse tomber, t'as perdu d'avance. Hey, come back here. You'll have to catch me. Oh,
Bon, il va bien lui arriver une crasse au gamin, non? Même pas un petit, petit retournement, là, rien. Ton cheval est plus grand. Sans blague, puis c'est juste un petit peu un pur sang que j'ai pris. Il est là ou quoi, le gamin? Je l'ai vraiment cramé. Ah non, le là. Je vais pas me rattraper, le nom de mon cheval, je vais l'appeler SpaceX, mon cheval. Va aussi vite qu'une fusée. Enfin là, la marmite, ça aurait peut-être fini par coller au fond du plat, hein, Equinox. Allez voir d'où vient la perturbation. Je peux monter sur le poney? Oh, là? Non? Non, il veut pas. Elle me botte pas, toi. Hein. Je peux pas prendre de cheval. Non, faut que j'aille à pied. Bordel. Et j'ai pas de flingue. Rien. Ah. You want to watch your mouth, boy. You will be the first one we kill. Yeah. Leave him alone. Oh, careful, boys. Careful. Yeah. Look at this tough guy. Get out of here. Oh, fancy pants Getty's paying you to be tough for him, huh? No, he's paying me to keep the place clean. Oh. Said he had some problems with vermin. Oh, listen to this. Real funny. Eh bien. T'as pas de bol. Ça, je sais faire. Et t'as du bol que j'avais pas un flingue avec moi. Allez, vas-y. Tiens. Finishing. Oh, allez, on va s'exciter sur la manette. Clac. Mais c'est lui qui a commencé. Leave my wife alone. Oh, she's real pretty. Get out of here. Oh, quite a temper you got. Imagine you're frustrated with your lot in life, married to a shit shoveling farmhand. What'd you do wrong to end up here? Leave my wife alone. Welcome to Big Valley, Jim Milton. Pleasure to meet you both. We'll see you again. And you, boy, tell Mr. Geddes we called. We'll be back. Putain, mais filez-moi un flingue, bordel, puis on n'en parle plus. Thank you, Mr. Milton. Thank you. Don't worry about it. Stop acting like a goddamn storybook hero, will ya? What choice did I have? Plenty, you moron. Plenty. Elle est un peu con des fois, elle. Je sais pas, on serait à sa place, on se laisserait peut-être pas faire quand même. Bon, j'aurais pas fait des gros durs face à un mec qui a un flingue. We all get caught eventually, John. I guess the trick is to decide by who. Now, dear, I won't hear any more of it. You won't hear any of it. Not in front of the men. You toad. All right, smile, smile. Ah, la vieille. La vieille marmite. Hey, I heard we had another incident with the Laramie boys. Yeah, there was an incident. Well, they scare me. Are you scared? A little. I've got a lot invested in this place, and not just the land, but my family. It's
It's hard to explain. I understand. I'll do my best to keep you safe, sir. Yeah, I know you will. So how's your family? Just fine. I should probably head back. Yeah, I know how it is. How'd you get on? Okay, I guess. Better? Ouais, je zappe un peu hein, le scénar parce que... Ok, j'aurais peut-être pas dû zapper, je pense que j'ai loupé un gros truc là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver Tom. Ok. J'adore sortir en pyjama comme ça. Allez, boum, encore quelques... D'où tu me bottes le cul toi? Vieillard. Je vais t'envoyer la femme du patron, moi, tu vas voir, ça va te calmer. Ah merde. Ah, donne-moi ton pétard là, je vais y aller. Jim Milton saved my life. It's Mr. Abel. Of course, it's Mr. Abel. I can't believe. Enfin, on retrouve le jeu. Après une grosse parenthèse d'une heure, on retombe sur un scénario digne de du scénario avec Arthur. Un truc bien, bien sanglant. C'est parti. Allez, vas-y, abrège. File-moi un pétard. Voilà, et c'est parti, on y va. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont loin? Oh, et c'est en côté, en plus. On va couper. Alors, qu'est-ce que j'ai? Putain, je récupère tout. Non, oui. Je récupère... Ah non, pas tout. Non. Deuxième répétition. Ah, j'aurais bien voulu avoir mes... mes flingues que j'avais achetées avec Arthur. Ah là 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 là. Ouais, faut aller là-bas. Mais putain, mais la ferme, elle est voisine. Encore une querelle de voisinage, ça. Ouais, pas de problème, on va aller dire bonjour. Le mec, il est pas fut-fut, il va piquer les vaches du voisin. Il est complètement con. Let's get a closer look. Let's go. Yeah, there's plenty of guards. Ouais, je zappe, hein. De toute façon, on sait ce que, on sait ce qu'il y a à faire. Hey, you boys been coming up to Pronghorn? I thought I'd come down here. You're all so tough. Come have a word with me. You here to cut a deal? You're too late, partner. Que je peux tirer dans le tas? Bon, je pense que oui. Non? I'm here for our cattle. Non, même pas. Il m'autorise pas à tirer dans le tas. Ah. You've seen how many men we got? As many as money can buy. Now get out of here, Hayseed, before you get a hole in your head. Just shoot him. I'm trying to be reasonable. On peut-être se mettre à l'abri, non? Ce serait pas mal. Ah, putain de caméra! Bordel! Oh, mais qui c'est qui a été foutre un arbre ici? Et merde! Hey, mais il a la tremblade, ce con! C'est bon? Non, il y en a encore un. Oh putain, Arthur, il était un peu plus affûté quand même. Hein. Pourtant, il y a la visée semi-automatique, mais... Ouais, où est-ce qu'il y en a un? Là-haut? Toc. C'est beau, ça. Pas des pétards à ramasser, là? Bon, on va bourrer dans le tas, hein. Tiens! Tu l'as pas vu venir, celle-là, hein.
Et refile-moi la carabine là, parce que. Oula, c'est pas celle-là que je voulais, c'est celle-là. Voilà! Tac! Bon, c'est interdit au moins de 18 ans là, hein. C'est peut-être un peu tard pour le dire en fait. Allez, sort! Allez, viens! Non, il est mort! Ah, il est mort. Non, il est là! Putain, il y a du gun par terre! Je ferais bien mes achats là! Tac, tu l'as pas vu celle-là, hein! Qui c'est qui parle? Et il est où? Cette balayette, hop, tiens, oh. Sors ton flingue, putain. Putain, ça fait mal. Voilà, c'est bon. Allez, salut. Oh oui, faut appuyer sur la gâchette, oui ou non, évidemment. Un sac à merde comme ça. Tiens, moi j'aime bien ton chapeau, mec. Trouve pas mal. Hop. Chapeau d'Arthur. Ah non, c'était le mien en plus. Tiens, on va le fouiller pour la peine. Je suis sûr qu'il a du pognon sur lui. Putain, il lui en reste pas grand chose de la tête. Jean. Allez, on va pouvoir rentrer. Et des vaches? Non? On les récupère pas? Même pas. Bon, j'ai pas le temps de fouiller tout le monde. J'ai surtout compris que fouiller tout le monde après un gunfight, ça servait à rien. Puisque ton personnage peut crever en 2 secondes et hop, on t'en refile un autre, donc tu perds tout. Donc, c'est bon, on va arrêter les frais. J'ai perdu suffisamment de temps à fouiller 40 cadavres après un gros gunfight. Enfin, j'avais Arthur. Et du coup, je vais pas faire la même connerie avec John, parce que, voilà. Pff. Finalement, si on dépense pas trop d'argent, on a toujours de la thune à dispo et pas besoin d'aller piller les cadavres. You did real well, Mr. Milton. This man can really fight. Save the whole place. Ah, that weren't nothing. Well, you, oh, you, you saved my life. No need to say nothing, sir. Just doing my job. Now, I don't think they'll be back tonight. But how about? Ils vont pas revenir du tout. Ils sont tous morts. You stay up. Yep. You see anything or hear anything? You fire that rifle. Three times. Three times. We'll all come running. Will do. Well said. And thank you, Mr. Milton. Truly. Just glad to be of service, sir. I understand. You get some rest. Thank you, Mr. Geddes. What? What? Pas contente.
Je pense qu'elle va se finir par se barrer, je le sens bien. Elle va finir par se barrer avec quelqu'un d'autre, elle. Et le gamin avec. Bah, il s'est chié dessus, le gamin, ou quoi? Oh, l'entrejambe! Oh, il y en avait plein, hein. C'est dégueulasse! Look, just do one thing or another. Not be two people at once. That's all I'm saying. D'ailleurs, on va retourner voir Abigail. Qu'est-ce qu'il y a, le taureau? Oh merde! Il sait par où est la porte de sortie, celui-là. C'est quoi qu'il y a par terre? Dormi ou... Ah. Ah non! Oh putain! Elle se réveille vite, les vaches, hein. Non, ne me chargez pas, s'il vous plaît. C'est rigolo. Je peux gérer son troupeau à moitié. D'autres moutons? Même pas. Coupé. Re, l'André. How you getting on? Survive. I think. Here, I'll get you some coffee. Only thing I know how to do is, well, you know, undertakers like me. Cattle, not so much. That ain't true. I ain't no rancher. Rustled horses, not raised them. Stole cattle, not birthed them. Faut trancher, mec. Faut arrêter de voler. I was reading about a old ranch, Beecher's Hope, down by Blackwater. Was you? Well, Jack read it to me, but I thought maybe. Ah, le gamin, il peut être fermier, lui, par contre. Bank can lend us the rest. We could be happy, John. Bank loans? I got a goddamn price on my head, woman. I know. I know all about that. Every time we about to get somewhere, make something, you go and show the entire world that you ain't Jimmy Milton. Every place we've been has been the same. We start doing okay, and then boom, you act like the big man with the gun. Tired, John, and. I guess I was dreaming a little. At least give me that. Just feels hopeless. Oh, ça schlingue, la conversation. You're doing better. Milton. De Nico. Milton. Ma'am. Mr. Geddes needs you to head over to Strawberry in the wagon and collect some mail for him at the post office. Sure. I'll take the boy with me. He's getting soft. Lancelot. Come on. Jim, if you're heading that way, can you pick up a parcel for me? Address I ordered. I think it's in your name. My name. I think so. One's in your name and the other one's in mine. Only one should have come in by now. How much shopping you done? Oh, yes. A real keen purchaser of goods, me. Look at me. Okay, Lancelot. Make a man out of you yet. Not too much of a man, mind. He's only a boy. Je sens que le gamin, il va picoler. Très sérieux, tout ça. Real exciting realities of adulthood for another day. Come on, get. You take care now. Of course. It's nice getting out of the house, huh? I like being in the house, Pa. Go back to the road, Pa. I think just about doing things you like, boy. What happened the other night with those men? Did you kill them? I did what I had to do to protect you. Ma said it was pride or something. Your ma was wrong about that. Here, want to take the reins a little? I don't know, Pa. It's easy, boy. Don't be scared. Well, mec, il monte à cheval, mais il a peur de tenir des rênes sur sur un attelage. Allez, prends ça. Pull him short to slow down. Tell him to go faster. Give him a little switch. And then pull to one side if you want to turn.
Here. Try it out. Allez, vas-y, je me fais conduire. Il est beau le cheval. Ouais, bon app, Enkinox. C'est plus moi qui conduis. Ah si, c'est bon. Il m'a redonné les rênes. Alors, faut aller au bureau de poste chercher du courrier. Oh, ça avance pas la charrette. Tiens, fils, tu vas aller faire un créneau, s'il te plaît. Hop. Je laisse garer la charrette. All right. Here we are. Tiens, débrouille-toi. Allez. You all right, son? Sure. Cheer up a little. Nada Surf. Oh, un groupe que j'adore en plus. And if you behave, I might let you drive us. Bienvenue. Can't wait. Hi, I'm here to... Name? My name? Jim Milton. Jim Milton. Hmm. Nope, nothing here. Sympa la surprise du prologue. Oui. John. Ça fait bizarre, hein, de... Okay. De John voir Arthur Austin. Crever et le jeu continuer. Ça perd un peu de saveur, hein, quand même. Nope. Nothing here for that name either. Ça perd beaucoup de saveur même. Là, il y a trop de scénarios, il y a plus d'action. Mais c'est, comme tu dis, c'est un prologue. C'est, on met en place le prochain. Bon. Yes, here we are. Bon, le scénario est pas déplaisant non plus quand même. T'as vraiment l'impression de regarder un film. David Getty sent me. Pronghorn. Yes. Sign here. We have a bunch of stuff for you. I will help you out. I'll take these. Carrément. You get the rest of the stuff. Et du coup, tu l'as terminé. Elle est longue ou pas la partie là? Il reste combien d'heures de jeu en fait sur le prologue? Mostly Milton these days. It's a long story. Toutes les missions annexes que j'ai laissées de côté, je vais pouvoir les faire ou pas, Nada Surf? It's not important. C'est ma grosse question là, du moment. Là, je subis pour l'instant le scénario, mais moi, ce que j'ai envie, c'est d'aller continuer de faire mes missions annexes. J'ai fini par apprécier le prologue. Bah, je pense, ouais. Bah, après, ça reste pépère à jouer. Faut le prendre comme ça, quoi. Et du coup, ça me donne trop envie d'attaquer le 1. Alors là, je conduis quoi? Je conduis le petit? Non, je conduis rien du tout, c'est le petit qui pilote là. Et Dien Casanier, le mec, il commence à se ranger un peu. Yes, sir. Ça t'a pris la matinée, d'accord. Donc là, t'as joué toute la matinée pour faire que le prologue. Moi, le prologue, il a commencé... Arthur, il est mort hier soir. J'étais en train de jouer. J'ai joué 4 heures d'affilée. Arthur est mort. Et là, ce matin, j'ai commencé, du coup, direct sur le prologue avec John. J'ai commencé en ville quand il cherche du boulot. Ça a été le début du stream. Donc, il y a 1h20 maintenant. T'en es à combien de pourcents, toi, Nada, là, du jeu?
Tu vas te faire les quêtes annexes ou pas? Parce que du coup, le pourcentage de correspond pas à la quête principale. Il correspond vraiment à l'intégralité du jeu. Parce que je crois que dans la quête principale, je dois en être à 70%. Enfin, dans la totalité du jeu, je dois être à 70%. Donc ça veut dire qu'il me reste 30% de missions annexes. Ouais, on doit être à peu près pareil. Et pourtant, j'ai pris mon temps. Je dois avoir au moins 70 heures de jeu dessus. Pépère. Vraiment pépère. Ah bah oui, oui, oui. Après, il y a le online à faire. J'ai pas fait le online. Je l'ai démarré. Un petit peu comme ça, juste pour voir. Et obligé, je vais jouer online après, de toute façon, pour... Ah putain, du grabuge. Non. Du flingue. Est-ce que j'ai des flingues avec moi? Là, on se croisera peut-être sur le online, hein. Je sais pas si je vais streamer le online, parce que j'ai pas la connexion qui va bien pour faire et du stream... et du jeu en online en plus. Souvent ça flanche. Pourquoi il veut se cacher? Okay, son, you wait here. You don't move or say nothing until I speak to you. You hear? Yes, sir. Head down. Okay, gentlemen. Let's see what you come calling about. What do you boys want with us? Oh, we just want to have a friendly chat. Are you John Marston? Mm-hmm. You sure look like him. Pas du tout. I don't know what you're talking about. I'm here with my son. Did you kill a fella out in Roanoke a few months back? No. Wasn't me. That was my brother. Bon, hey, tire. I'm real sorry, friend, but he was trying to rob. Talking bullshit, Mr. Killhead. Oh, better try to kill you quick. Allez. You loot. Merde. Ah, d'accord. Oh, toi, tu vas me faire chier. Viens. It's okay. You're okay. What? Why? What? It's okay. It's okay. Come on. PC. Eyes closed. Je joue sur PC. Let's go. Come on. Get up. Pourquoi il s'est mis comme ça, ce con? Oh dear, those men! I told you not to look, boy. Are they dead? You know how to get there? I didn't have much of a choice. You saw that. Now, compose yourself. You always gotta take shortcuts. You killed them, Paul. Ça passe ou ça passe pas? Why are you going so slow? Ça passe. Enfin. Son? Allez, allez, hop là! Je devrais peut-être les dépouiller, non? Ah, série X. Aïe. Le jeu est sorti sur la série X ou il est optimisé ou c'est vraiment la version Xbox One que tu joues? Salut Ben! Ils ont même pas un peu de thunes quoi sur eux. Bande de malheureux. Hein. Ah si, 2$. En même temps, vu que je gagne 3$ par jour. Calme-toi, petit, prends ta ventoline.
Respire dans un sac, je sais pas moi. Ouais Ben, bah, ça fait quelques jours là qu'on est sur Twitch, là, toute la team, on a chacun notre chaîne, et puis bah on fait autre chose que du farming. Il est en rétro pour le moment, il est juste magnifique, ça parle d'un éventuel patch. Bah, c'est pareil, hein, là, j'ai changé de config là il y a pas longtemps, mon ancienne ne faisait tourner exactement à l'identique que là, là tout est en ultra. Alors bon, sur le stream c'est sûr que vous voyez pas parce que c'est du 720, 30 images secondes à moitié saccadé. Mais bon, c'est assez propre quand même. Hein. Enfin, moi en tout cas, ce que j'ai sous le nez, c'est ultra propre, c'est un des plus beaux jeux que j'ai joué. Avec la série X, elle doit pas trop forcer hein, sur ce jeu, je pense. Allez go. Salut Shade. Okay, here we are. That was in, Surtout dis rien à ta mère, hein, j'ai tué personne. Hein. Garer le chariot. Allez, vas-y, tiens. Oh non. Quoi, je peux pas descendre. Oh, c'est la couille que j'ai vu que certains joueurs avaient. La couille de la marche arrière. Non. Oh. Putain, c'est pas vrai, je vais avoir la couille de la marche arrière. Et je peux pas descendre. Mais non. Putain, c'est pas possible. Bah, je suis baisé. Je suis sûr que je peux même pas faire une sauvegarde, un truc. Ça va être... Putain. La vidéo n'est pas encore rien, je peux te... Ouais. Bah, je suis comme un con. Je peux rien faire. Mais non, mais si. Ah, mais ça, c'est un truc... Avant d'acheter le jeu, j'ai entendu plein de joueurs qui disaient le fameux bug de la marche arrière. On n'a pas de marche arrière dessus. Ah, si. Non. Attends. Alors, avec une bonne combinaison de trois touches, le machin arrive à reculer. Ah, alors peut-être il y a eu une update là-dessus, mais j'avais vu plein de gens qui disaient, bah voilà, quand on est face à un mur, bah on est bloqué, on peut pas faire de marche arrière, et on est obligé de descendre et de tuer le cheval. Bon, bah non, finalement, il y a peut-être eu un patch, je sais pas. En faisant bas, j'ai appuyé sur quoi? Bas, RB et B. Ça a marché, je vais la reculer. Ça m'aurait fait chier de quitter le jeu là quand même. Vraiment, vraiment chier. Oula. Ouh, la mère, elle va pas comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai tué trois crétins. C'est compliqué. Tu peux pas comprendre. Ouais, j'abrège parce que. Le blabla là. Hey, Mr. Jim? Mr. Jim? Hey! There's a telegram messenger for you over there, in, near the house. Va chercher un télégraphe, vas-y. Vous êtes recherché. I have no idea. But I doubt someone wants to give me a big pile of money. That's him. The Spirit Ben a pris un abonnement de niveau 1 pour une durée de 1 mois. Merci Ben. Mais alors, je vais dire très sincèrement Ben, je ne sais même pas à quoi ça correspond. Tout ça, je sais pas, je suis un gros gros novice sur Twitch. J'ai vu des gens qui avaient des petites étoiles devant. Excuse me, mister. Va falloir que tu m'expliques tout ça. Voilà, j'ai une autre personne qui est comme toi, qui a un petit first devant et qui a une étoile. Et en fait, je ne sais pas ce que c'est encore. J'en sais rien du tout. Je suis mauvais, hein. Je suis un noob. Oh, déjà sur YouTube, c'est pas folichon, mais alors sur Twitch, t'avoue que je sais pas du tout comment ça marche. Tu vas m'expliquer tout ça après, si tu veux, sur Discord. Noon and Valentine. I'm there most days. Stop.
Du coup, j'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah, ça dit. Ah, ça dit qu'il est encore vivante. Putain, c'est cool. On va récupérer un peu du scénar de la trame principale. Ce sont tes premiers subs à ta chaîne. D'accord, il faudra m'expliquer parce que tu vois, je fais pas encore trop la différence, les subs, les followers, tout ça. Ça démarre, hein, ça démarre tout juste. Hein. Je sais pas combien on est d'ailleurs sur la chaîne, on doit approcher les 300, je crois. Abigail, elle s'est barrée. Ah putain, sa femme, elle s'est barrée. C'était obligé. C'était obligé. Une lady in the village helped me write this. She had many problems of her own, but that's a different story. Listen. Je te plaque. Tac. But it don't seem to make much difference. Elle s'est barrée avec le gosse. Et comme ça, on va pouvoir aller flinguer des gens dans Red Dead Redemption 1. C'est logique. J'aime me faire jeter. Hey, c'est dur les mecs émotionnellement. Mon personnage principal est mort hier soir. Après je ne sais combien d'heures à essayer de faire le mec gentil. Il se fait tuer par une putain de maladie. Et là c'est mon autre personnage principal qui se fait plaquer. Hey, je vais peut-être pouvoir aller voir la femme du patron. Tout à l'heure, elle voulait se faire culbuter. Ben, on va peut-être pouvoir aller la voir maintenant. J'arrive, Gertrude. C'est moche, c'est vraiment moche ce que je raconte. Mais bon, là, le mec est un peu dégoûté quand même. J'ai tout compris. Le Spirit Ben. Je crois les 10 ou 20 premiers subs, on est first, et après c'est l'étoile. D'accord. Bah écoute, merci à toi. Qu'est-ce que c'est? Une veste? Where's the wife, Milton? Où est votre femme? She's out. I saw her leaving with the boy and the bags. Bah, ils auront une vie meilleure. You married Mr. Dickens? No. That don't surprise me. What'd she do? Catch you with a showgirl? I hear about you shooting more fellas over by Strawberry? Just who are you, Jim Milton? I'm a family man. I can handle a gun, sure. Them men shot at me. Just interested, that's all. Ain't nothing interesting. Unless you find gossip about a man's marriage worthy of your time. Guess not. Ouais, il le rabat. Work to be done. Unless you're running off too. I ain't going nowhere. A offert un abonnement à Nada Surf. Putain, mais je sais même pas comment ça marche. On peut offrir des abonnements. J'espérais un remède à dire. Eh ben non, Nada Surf, j'ai été voir justement sur des forums qui où des développeurs de chez Rockstar répondaient justement que ils voulaient le jeu réaliste et qu'il n'y a pas de remède miracle à la tuberculose. Encore aujourd'hui, c'est la merde. Et qu'il voulait vraiment que le personnage principal, bah, il a la tuberculose, bah, il en crève. Donc il en crève dans un bain de sang dans ses poumons parce qu'il s'est pris des claques dans la tronche. Mais ouais, j'avoue que ça m'a foutu une claque la fin hier. Le scénario, oh, je suis vraiment resté sur le cul, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Traire la vache, nettoyer les boxes, réparer la clôture. Ok, et donc c'est la fin. C'est la fin, on a ça à faire et puis c'est fini. Je finis vraiment en fermier, j'ai du mal à le croire. J'arrive pas à croire que je vais finir en fermier à jouer à Farmer's Dynasty sur Red Dead. J'y crois pas une seconde. Au soleil sur son rocher, c'était beau. Ah ouais, non mais c'est... Pff. Vraiment, vraiment. C'était une belle fin. Enfin, pas pour Arthur. Mais au niveau scénario, je comprends pas pourquoi on nous fait pas des films à partir de ces scénarios de jeu qui sont qui valent largement les plus gros blockbusters. Quoi. C'est, là, le scénario de Red Dead, il est magnifique quand même. Prenez le piquet. Il y a un piquet par terre. Ouais. Ah, et puis la musique, la bande-son. T'as pas l'impression de mettre un piquet à côté d'un autre, c'est un peu inutile.
Bienvenue dans Farmers Dynasty, prochain jeu auquel nous allons jouer sur la chaîne Twitch. Sinon, il y a Guillaume Gaming qui est dans les descriptions, je sais plus où trop, là, sur la chaîne. Vous pouvez suivre, il est en train de commencer une carrière sur Farmers Dynasty. Je pense que ça va faire une bonne continuité. Il faudrait qu'il renomme son personnage John, et puis c'est bon, quoi. Allez, un petit coup de traite. Non, même pas. Toc. Bon, je pense qu'on a le générique de fin, là. Nada, d'après toi, toi qui l'as fini ce matin. C'est tout bon ? Ça se boucle comme ça ? En bon farmer. Non. Il y a encore du gunfight. Oh oui, allez, putain, ça se termine pas. Oh là là, il est énorme ce jeu. Mais c'est her fault. Hey, you know I was wrong about you. Turned into a fine worker, Jim Milton. Oh, thank you. Means a lot. Hey, you think I can speak with Mr. Getty? Il me reste combien de temps là, parce qu'il est 13h, faut que je bouffe quand même. Well, I'm sure he'd be happy to hear you speak at least. Mais globalement, je peux tenir jusqu'à 14h hein, si je veux. Va à la maison. Oh, à la maison, c'est pas la maison du patron ça par hasard. La maison du patron? On va aller voir la femme du patron. Ce serait beau ça. Madame la patronne. Hey son, how's that bull? Fine, Mr. Milton. Ça va être juste. Father in? Can I have a word? Encore une heure. Ah, c'est pas grave, on va y aller. On va y aller, tant pis. Ce sera le plus gros stream de la chaîne, mais bon. N'espère pas, j'ai essayé aussi. T'as essayé, c'est-à-dire tu peux revenir la voir. Experience, I think every man can relate to. In some ways, my wife also has issues with some of the decisions I've made. Real issues. Hmm? Do you believe a man can change, sir? Where is this heading? I guess I don't know. I've tried to be a good hand. I've worked hard to secure your property. And for that, we are grateful. And you've paid me well, besides. The thing is, I suppose... Non, de toute façon, il n'y a pas de sexe hein, dans ce jeu. Pourtant, t'as des scènes un peu chaudes, hein, mais non. On ne voit pas un téton dans Red Dead Redemption 2. But take my advice, Milton. Take your money and go buy passage on a boat. Go to Brazil and forget all about family. I'm just joking, son. Just make sure you... Ouais, te faire laver les jambes. L'entrejambe aussi, quand même, hein, si tu regardes bien. Hein. Ça vend du rêve. Bah, les mains sont baladeuses, hein, quand même. Hein. You'll get what you need. Thank you, sir. Yeah, I was young and dumb once, too. You'll get her back. Il suffit de voir la tête d'Arthur d'ailleurs quand tu prends un bain et que la masseuse commence à descendre un peu. La tête en dit long. Oh, ça sent le trésor de guerre ça. Alors qu'est-ce qu'on a ? Tout le matos d'Arthur ? Ah, vrai cow-boy. Salut JB. Bon, alors, on a Sadie à aller voir. Qui est je ne sais pas où. Oh putain, ils sont loin. Sadie ici, c'est ça? Sadie Adler. Est-ce qu'on peut encore se téléporter quand on fait l'attente? J'ai pas trouvé d'autre moyen de me téléporter d'ailleurs, Nada. Je sais pas si tu sais. Pour me téléporter, à chaque fois, je faisais un campement.
Et à partir de là, on peut aller se balader dans les villes, mais... Voyage rapide. Parce que des fois, aller se trimballer pendant... Ah, tu joues à RP. Bah en fait, j'ai toujours, je me suis jamais servi de la téléportation que à la fin où j'ai découvert qu'on pouvait faire du voyage rapide. Pendant tout le jeu, c'est peut-être pour ça que j'ai pas mal d'heures de jeu aussi. C'est que pendant tout le jeu, ben, s'il fallait aller d'un bout à l'autre de la carte, j'y allais quoi. Ouais, ou diligence ou train. J'ai pris pas mal de train. J'en ai claqué du pognon. Moi, on a un cheval rose. Ça doit être le cheval de Sadie. Mais sérieux, c'est quoi ce truc-là? Pourquoi le cheval est rose? Je sais pas si vous le voyez rose, vous aussi, mais alors mon écran est mal étalonné, c'est pas possible. Elle lui a peut-être fait une teinture. Je sais pas. Mais c'est peut-être du sang. Elle se laisse pas faire. Get the hell out of here before she kills us all. You get out of here. John Marston! It is good to see you. I thought I heard a rumor you was alive. Jim Milton, that you? Oh, le truand, il montait sur le toit du train. Ouais, mais quand tu montes sur le toit du train, déjà, faut que le train, il soit là. Moi, quand... moi, je payais mon ticket, comme ça, le train, il passait, quoi. I thought that sounded like you and Abigail and Jack. Ouais, on va zapper, hein. Qu'est-ce qu'elle veut, la dame? Elle venait braquer quelque chose encore, je suis sûr. On a de la route à faire. Strawberry, c'est où Strawberry? Ah bah c'est... Oh putain. C'est de là que je viens. C'est pas vrai. Oh, oh là 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 là. Ouais, j'espère qu'ils vont abréger un peu le truc. Oh, pardon. Désolé. Je suis désolé, je suis un mauvais garçon. Excusez-moi. J'en ai marre, je viens de me faire je ne sais combien d'heures à faire le gentil. Maintenant, il y en a marre. Eh, hey, Nada, il y a le trésor de Dutch, là, il est où? Est-ce qu'on va le chercher à un moment donné ou pas dans la grotte? Est-ce qu'on peut aller le chercher? J'aimerais bien, parce que soi-disant, il y avait le pactole. Normalement, le mec, il doit avoir la clé. La clé du coffre. Ah, putain, cool, ça passe la... Petite cinématique. Et ça passe tout ça. Je vais pas te spoil. Oh, tu peux. Moi, j'ai pas de problème avec le spoil. Hein. Ça me dérange pas de connaître... Un film, tout ça, à l'avance, ça me dérange pas du tout. Même, ça m'empêche pas de regarder un film, même si je sais déjà toute l'histoire. Je m'en fous. Encore pire avec un jeu, puisque de toute façon, le jeu, c'est le joueur qui fait quand même un peu ce qu'il a envie de faire. Donc, même si la fin, on la connaît, il y aura plusieurs chemins pour aller, hop. J'ai eu une coupure de courant, putain, décidément. Alors, comme je t'ai dit, il s'appelle Nathan Kirk, banquier chauve 45. You seen a bald New Yorker, name of Nathan Kirk, about 45? No, sir. We get plenty of New Yorkers here. It's... Resort town, you see, the Adirondacks of the West, the mayor calls it, but I can't remember any of the bastards. Okay. Ask in the general store or the post office. They tend to know who's in residence for the season, as we say. Season? Good lord.
On va recroiser Dutch et son coffre. L'enfoiré, il s'est barré avec son coffre. Franchement, à la fin, Dutch, si j'avais pu lui coller une balle, pendant au moins la moitié du scénario, ça m'a démangé de le faire. Bon, je sais pas où est-ce que je dois aller. On va rentrer là-dedans, on va peut-être aller questionner des gens. Bonjour. You seen a fella? Fella from New York? Bald guy? Yeah. A few New Yorkers come here in search of the West. This one's a wanted man. I work for the government. Sort of. His name's Nathan Kirk. Mr. Kirk? But he's so charming. Is he staying here? He's, Putain, ça a été rapide de le trouver, hein. I'm gonna go pay him a visit. It's government business. How exciting. Voilà. Bon, il s'excite pour pas grand chose, lui, hein. Ça perd de le chagriner. Je vais aller buter peut-être un mec dans sa chambre, mais ça. Ça se gêne pas. Chambre numéro 3. En même temps, il n'y a pas 40 millions de chambres ici, hein. C'est pas Novotel. Mr. Kirk, you in there? Who is it? It's just a friend. Stop. Hey, That's Nathan Kirk. Allez, ça dit. Dégage, déglingue-le. Je veux bien sauter, moi. Pas sauter, hein. C'est pas vrai. Ah, saute, je veux bien. Il veut pas. Ah si, ça y est. Aïe, oui. La cheville. Ah, il faut vivant. Ah putain, moi qui commence à vouloir lui tirer dessus déjà. Allez, on va sortir le lasso. Hop. Pas ce qu'il a comme cheval, mais... Il a dû lui faire une petite picouse à son cheval, c'est pas possible. Il est où? Il est là-bas. Hop. Ah, l'enfoiré. Allez, un mouton. Je reviendrai, hein. J'aurai recherché le kebab un peu plus tard. Et si je fous une balle à son cheval? On peut pas? Petite balle dans le cul du cheval, ça lui fait rien? Non. Bon, bah écoute. Ah. Pas très bon à la pêche au lasso. Oh, je sens que ça dit, elle est... Ah ah ah! Qu'est-ce que j'ai attrapé? Regarde ce que j'ai attrapé. Oh merde, non, reprends-le! Hop! Ah, bah non! Ouais, c'est peut-être ça, je sais pas. Est-ce qu'on peut le fouiller? Oui, on va le fouiller quand même, peut-être un peu de... Il y a des sous. Chevalier en argent. Ah, sur le cheval de Sadie. Ah, excuse-moi, attends. Tu vas aller faire un tour sur le cheval rose. Ah non, bah non, pas dire rien. Ah bah, ça l'a chargé quand même. Get a loan for the property. Might make him happy to see I've got a boss. No, I've got a couple of other leads. Bon, allez, abrège. Voilà, elle est partie avec son sac à patates. Bon, ben nous, on va aller se faire la mission AA, qui est en bas, là. À Blackwater.
Est-ce que j'en ai pour longtemps à y aller? Oh, je pense pas quand même. Oh, allez, on va le zapper quand même. Tiens, j'ai pas un truc à bouffer? Je crois pas. Ah non. J'ai que dalle. Bon, allez, vas-y, hop. On grignotera plus tard. Ça, c'est un truc, c'est pareil, je m'en suis jamais trop soucié pendant le... toute la phase avec Arthur de manger tout le temps. Pour... Salut Bruno. Bruno, un joli prénom. Et je sais pas toi, Nada, si tu regardais un petit peu le poids du bonhomme, en fait, régulièrement, voir s'il maigrissait pas trop. Moi, j'étais tout le temps en sous-poids avec Arthur. Et quand je me suis réveillé en me disant, putain, peut-être qu'il regrossisse un peu, je bouffais 40 millions de fois par jour, j'ai jamais réussi à reprendre du poids. Il est tout le temps resté en sous-poids, Arthur. Et après, il a chopé la tuberculose et de toute façon, bah, c'était foutu, quoi. On va à la banque, pour une fois. C'est comme le campement. Il faut amener des thunes, des armes, tout ça. C'est un truc, au début je le faisais, j'ai vu que ça m'apportait rien. Et je rechargeais juste... Ouais, bah pareil. Et en fait, j'ai vu que ça m'apportait rien. Du coup, bah à la fin, bah, je laissais le camp dans le rouge. Et en fait, ça a rien changé, quoi. J'ai pas compris, en fait, ce truc-là. C'est un truc que j'ai un peu zappé. What property? An old ranch? Beecher's Hope? That old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But sur le online, il faut faire ça avec le campement. Il faut l'alimenter régulièrement. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? Which folk? Mr. Geddes? I work for him. He said that you could help me out. If you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Alors, est-ce que je dois aller? Ok. Titi 231, bienvenue. Wow, doucement. Les décors sont toujours aussi magnifiques dans ce jeu, mais oh. Pas une partie de la carte que j'ai vue, ça. Ah tiens, j'ai déjà vu, c'est le mendiant aveugle, celui-là. T'es l'aveugle, toi, non? Oh! Vas-y, toi! Faut arriver. Ah! Ah merde!
Tiens, vas-y, attends, je te file un dollar, mais il y a des gens qui viennent de crever devant moi. Je reviens. Tu vas me prédire l'avenir après. Ça va? Ah! Bon. Un petit problème? Ça va, madame? Non? Bon. Ça n'a pas l'air. Bon, bah, ça annonce que du bon, ça. Attends, je la pose parce qu'ils vont croire que c'est moins. Eh, hey, j'ai rien fait! Putain, ça y est, c'est ça que j'aime pas dans ce jeu. Mais j'ai rien fait, putain! Oh! T'étais fou, toi! Qui est con, celui-là! Je veux être gentil et faut toujours qu'il y ait un connard qui dise « Ah, c'est lui, là, il vient de tuer des gens. J'ai même pas d'arc sur moi et ils sont morts avec des flèches. Vous êtes con ou quoi ?» Putain, ça m'énerve. Bon, bah voilà. On veut être gentil. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Barre-toi. Tu mériterais ça. Foiré. Allez, je te fous la paix, mais... Bon, ben voilà. Je suis déjà recherché, ça fait 5 minutes que je joue... Que je joue calmement avec John. Et je suis déjà recherché. Fais chier. Voilà pourquoi je m'arrête jamais. Pourquoi? Parce que t'essayes de redevenir un bon gars après? De remonter ta réputation? Moi, j'ai arrêté ça. C'est fini. Attends, je vais déjà ranger mon flingue. Moi, c'est pas compliqué. Arthur, il a passé sa vie avec le bandana sur le visage. Tellement il était emmerdé tout le temps. Alors, on est arrivé... Ok, mais il y a personne. Pourquoi il m'a dit qu'il y avait des brigands par là? C'est quoi qu'il y a là-bas? Trop tenté de défoncer tout le monde. Ah, c'est vrai que dans un jeu où t'es libre... Quoi? À cause de mes crimes récents? Mais ils se foutent de ma gueule ou quoi? J'ai rien fait! Je suis innocent! Oh putain, c'est un taudis en plus. Ah, j'ai même pas une bouteille d'eau qui traîne. Merde. Bon bah attends, je vais faire un petit tour et puis je reviens. Ah, ça y est, c'est bon. Hop, le voyant est devenu jaune. Ah bah le mec il est là, hop, comme par magie. Bonjour. C'est normal que t'as un... Ah non, c'est... Ah, c'est bizarre, on aurait cru qu'il avait un masque sur lui. Ça va? Eh oh! You're dead. Ah! Mais il est con! Il bougeait pas, et puis tout à coup, je me dis... C'est n'importe quoi, ce jeu! Un petit bug, là. Bonjour, vous êtes chez moi! Vous êtes chez moi! Merde. Oh, les clodos! Tu veux pas danser, toi? Ouh, ça fait mal, ça, hein. Il était bien placé, celui-là. Là, t'arrives à te relever avec ça, toi? Moi, je serais resté couché. Explose-les. Go payer ta prime. Oh non, c'est bon. Je vais déjà payer ma propriété, déjà, ce sera pas mal. Bon, en même temps, il y avait que 3 clampins, hein. Salut Silax, bienvenue. Ah, tu, the man with two names and no past. Bon, allez, abrège. Où est-ce qu'on signe? Hop, c'est bon. Non. Donc là, je suis propriétaire, c'est ça? Pas encore. Retournez à Beecher Hopes avec l'oncle. Ah, vas-y. C'est où Beecher machin? Oh, c'est à côté. Allez, vas-y donc. Roule.
Tiens, je viens de voir le marchand de journaux là aussi. C'est pareil, c'est un truc. Je n'ai jamais acheté un journal. Il y a quoi dans les journaux? Je sais pas à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'on apprend dedans? S'il y a des trucs à cambrioler, des missions annexes à faire? Ça sent le générique de fin, ça! Non? Is Abigail there? No. She's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean she left you? Oh, I never thought she was a smart woman. Amène-toi. You know, this makes me think maybe I was wrong. No more of that. I just bought this place. And you're lucky I'm showing it to you and not looking for a place to bury you out here. Voilà, bienvenue chez moi. Si tu sais pas quoi faire, il y a la toiture à réparer, gars. C'est tout neuf. Presque. Non, t'as encore pas mal de choses à faire. Merde. Faire revenir ta femme. Elle qui voulait ce terrain. Sérieux? Non. Je te dis, on est vraiment dans Farmer's Dynasty. Ne me dis pas qu'il va falloir que je restaure la baraque quand même. Là, ça va être digne d'un jeu polonais quand même. You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. Est-ce qu'on peut le tuer, le vieux? Il va arrêter de dire des conneries parce qu'il commence à m'énerver. No. I know you're an idiot. Va la raser, ah bon? C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Bon, allez hop, je zappe, on va bien voir. Ah. Fin de la première partie du prologue. Et ouais, partie 2. On va voir ça, s'il fait que de la merde. Il a encore une demi-heure pour faire que de la merde. Après, ce sera fini. Il faudra que je coupe. Ah, il y a le chat. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux voir la fin de Red Dead, le chat? Viens là. Viens là. Viens là, le chat. Dis bonjour. Bonjour. Allez, reste sur mes genoux. Viens là. Gros tas de poils. Tu reprends quand? Bah, je sais pas. Si tu me dis que c'est encore trop long, peut-être demain midi. Yeah, it's me again. Je veux voir tes réactions pour la suite. Oh, ça. Qu'est-ce qui m'attend encore? Alors, donc, t'es en train de cuver? On dirait. Ça bosse dur, c'est clair. L'enfoiré. Get a relapse. It's very serious. Get up or get out. C'est ça. So testy. Tu bosses ou tu vires. Guess you're my un chat. Un chat qui s'en va. Salut, chat. Bon app. Lui, au moins, il va bouffer. Debout. Tu vois, ton lumbago, il va passer vite fait. Oh, non, what did I have to tell you? I went into town. I got a little drunk. Oh shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. Charles. Encore Saint Denis. Ça, c'est un truc du scénario que je comprends pas quand même. Avec le bordel qu'on a foutu à Saint Denis, je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse encore y aller comme ça. C'est pas possible quoi. Saint Denis, ça a été quand même le début de la fin quand même dans l'histoire.
L'imbago en phase terminale. Oh là là. Here we are. Come on, let's get off. Alright. Back in Saint-Denis. I never liked this place. Ouais, moi non plus. Autant j'adore la ville, elle est magnifique, autant c'est trop vite recherché dans Saint-Denis. Dès que tu fais un pet de travers, je comprends pas pourquoi on y retourne et pourquoi on s'acharne tout le temps à retourner à Saint-Denis. Faut dire bonjour, vas-y. Salut. Quoi des informations sur Charles au saloon? Ou chez le reseller? Non, on va plutôt aller au saloon. Vas-y. Le saloon, ça me parle déjà un peu mieux. Bonjour. Oui, il y a mon cheval. Qu'est-ce qu'il fout là, mon cheval? Je suis venu en train. Regarde, tu passes à côté de la flicaille et ils disent rien. Ah, et le décor de nuit, Saint-Denis de nuit. Aïe, 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 aïe. Là, il faut sauter la carte graphique, là, parce que ça claque quand même. Oh, tiens, il y a une petite marque jaune, là, sur le truc. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Tu sais pas ce que tu veux. Quoi? Bon, je crois qu'il va falloir que j'aille ouvrir au chat. Bon, attends, t'attends qu'il y ait une scène cinématique et je viens de voir. Bon, attends, viens là. Il sait pas ce qu'il veut, lui. Ah là là. Tu devrais rester là, il y a la chaleur du PC qui remonte, c'est hyper agréable. Ah là là, les chats, la belle vie du chat. J'hésite à aller sur la marque jaune ou à aller au saloon. Tu ferais quoi, toi, le chat? Moi, j'irai au saloon. Allez, je vais au saloon. Salut! Je ne fais que rentrer. Hey, partner, you seen a big Indian guy? Indian? Sure. Ah non, bouffe pas le câble, il est con. Bouffe mon câble. Arrête. Non, non. Il est con, ce chat. Va jouer ailleurs. Bouffe. Arrête. Bon, bah si j'ai plus de retour de son, c'est juste que le chat est en train de bouffer le câble. Non mais je déconne pas, arrête de bouffer mon câble. Ce chat-là, je le vois jamais de la journée, il dort toute la journée, et là, il a décidé de venir m'emmerder. Ah non, mais arrête. Il est con. Ah là là, allez, vas-y. Oh, good lord, I was just beginning to enjoy some peace and quiet. Oui, c'est bien une queue de chat que vous voyez passer là. Salut, Charles. Et il a bien changé, lui. Uncle thought maybe he was in some sort of trouble. Paris sur lui, c'est vrai. Merci du tuyau. Je sais pas si j'ai beaucoup d'argent. Sure. And you like that? Of course not. Alors, combien on peut parier? Bah vas-y, on va mettre gros alors. Parier sur Charles. Sure, I'm a fan of the wolf. Give me a bet on him. Have I got a treat for you? An epic battle between the descendant of ancient warriors and a not so noble savage. On my left, a ferocious... Je crois que pendant qu'il se cartonne la tête, je vais aller ouvrir la porte au chat. Simon of Wales, and on my right, an Indian Hercules. Bon, allez abréger, les gars. The unbeaten, and dare I say unbeatable, lone wolf.
You know how this works. No weapons, no forfeiting, no crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you win by death. Fuite ou décès. Fight, boys. Ok. Clean, but not so clean. Il prend cher, mec. Bordel. Come on, Lone Wolf. Better get you the hell out of here. Hey, Lone Wolf. Whoa. How? Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Here's your share, partner. We just made the bed I said we should. So you keen on staying around here or heading off with me and Uncle? But, John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater. Charles, c'est un bon. Ouais. Depuis le début. Il est toujours là. Il a toujours des paroles sensées. Pas comme Dutch. Just have a few errands to run. You're useless. I am a deep thinker. Be quick. Come on. L'oncle, on ne voit pas trop en fait dans le jeu. Il est où ce concha? Qu'est-ce que tu veux? Arrête avec mes câbles, putain, c'est pas possible ça. Puis vire tes poils là, ça va rentrer dans les ventilations. il faut faire quoi là? Tu fais Charles? Attends. Arthur helped me get out, gave me a chance to live, I guess. You know. Bla 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 bla. Putain, ça c'est chiant. On peut pas les zapper ces scènes-là, par contre. If any of us had been found, we'd have. Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me a satchel. Some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm. Enfin, on reparle un peu d'Arthur. He was a good man. As much as any of us could be. Getting sick like that has. Oh putain, mais il est con ce chat. Bah, tu te poses ou quoi là? Non. Non, pas sur le clavier, non. Dégage. Toi, tu fais quoi là? Oh, attends, je crois qu'il y a un truc qui s'impose. Soit je le vire. Ouais. Bon. Le chat. C'est pas que je t'aime pas, mais tu dis au revoir. Au revoir. Hop. Dans 10 minutes, il n'y aura plus de chat car le live aura mangé le câble Ethernet. Non, mais non, en plus, c'est du Wi-Fi, là. Ah là là là. Oh, qu'il aille prendre l'air un peu. Il sort jamais de la journée. Qu'il aille chasser quelques souris. J'arrive, Charles, j'arrive. Pendant ce temps, Charles attend. Oui, oui, je sais. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ça fait 2h13, je pensais vraiment boucler le jeu avec vous. Eh ben non. Il me reste combien d'heures de jeu, là, Nada? I heard he died in custody. Never said a word. Guess some folk is strong in ways you can't see. Everything that. Ah, ça a mal tourné, hein, pour les autres. Je trouve c'est mort. Micah? None of us is innocent. Deux heures encore. Dutch, least of all. I don't think we would have had to make those calls. J'ai peut-être pas faire du live jusqu'à 16h. J'ai peut-être gardé. Sinon, je garde pour ce soir. Very
Je vais attendre que ça s'arrête un peu là. Je vais faire une petite sauvegarde et je vais garder le reste pour ce soir. Gangs like ours don't ride up. Okay. Hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He used to work for Angelo Bronte. D'accord, donc ils savent qui on est, quoi. Come over here. What now? Well, you go left, I go right. On three. Three. Ah, ça me manquait. Genre, le mec, il a un chapeau par balle, quoi. Tu tires dedans, ça dégomme le chapeau d'abord. Coucou, je suis là. Il y a d'autres ? Il y a un chariot. Allez hop, on va monter dans la chariote. Et on se casse. C'est celle-là ? Ouais. On continue jusqu'à 16h. Mais rigole pas. J'en serais bien capable. Hein. Après, faudra juste que je rattrape mon boulot ce soir, quoi. L'avantage d'être peut-être son propre patron, mais... Bon, il va falloir que je bosse quand même à un moment donné, les gars. Qui c'est qui a les rênes? C'est lui. Là, j'ai à peine d'arriver, je suis déjà recherché mort ou vif. Ça craint... We can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. Tu stream sur The Medium. Il faudra que j'aille voir ta chaîne quand même. He's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? I think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate Saint-Denis. Je déteste Saint-Denis. Mais je pense qu'on déteste, tous les joueurs détestent Saint-Denis. On se fait canarder à chaque fois dans cette ville. Ça finit toujours dans un bain de sang. Et l'oncle, tranquille. Oh bah ça sert à ça, Twitch, hein. Moi c'est pareil, hein, sur Twitch, de toute façon c'est que pour jouer, hein, c'est pas pour donner de l'info sur les modes et compagnie. Hein. La suite demain midi, Nico. Suite et fin demain midi. Bah écoute, je vais faire... J'espère que le jeu va me laisser... va marquer une petite pause, me laisser faire ma petite sauvegarde. Le chat, il s'est barré. Tu dis 2 heures, toi, encore, de jeu. Je vais peut-être avancer un petit poil ce soir pour essayer de garder la fin demain midi à ce moment-là. Essayer de garder, genre, 1 heure de stream pour demain midi. Ah oui, d'accord, ouais. Que du jeu-jeu. Alors, faut retourner voir Sadie. Et l'oncle. Eh ben, je pense qu'on va se faire une petite sauvegarde maintenant. Tranquille. Ouais. Tiens, alors attends, j'en étais à combien? 60,8. Et là, 75. Ah ouais. En 2 heures de temps, j'ai pris 15%. De la dernière sauvegarde. Bon. Eh ben, on va se stopper là. C'était pas mal. C'était une bonne session de jeu. 2h18. Pouh, plus gros, c'est le plus gros stream que j'ai fait, je pense, sur le... Hop là. On va se mettre là-dedans. Plus gros stream que j'ai fait sur la chaîne Twitch. Bon, je vais aller voir un petit peu ce que l'ami The Spirit Ben a fait un petit peu là-dedans, hein, parce que je comprends pas encore tout sur Twitch. Bon, bah, pour ceux qui veulent voir la fin de Red Dead Redemption 2, ce sera demain midi, je pense. Je vais y jouer un petit peu ce soir, faire peut-être les 2 petites missions qui traînent là, histoire d'avancer un tout petit poil dans le scénario. Et puis demain, je vais essayer de m'y mettre de bonne heure. Ouais, genre encore vers 11h30, un peu comme aujourd'hui. Et puis comme ça, je vais étaler avec un peu de bol. La fin devrait tomber vers, j'espère, je croise les doigts, vers 14h, avant 14h. Allez, merci à tous d'avoir suivi ce stream, et puis bah, je vous dis à demain.
Ciao les amis.